nous sommes là dans le cadre d'Action citoyenne et de service à la communauté, ce qui fait l'objet même de la création de cette association et de cette maison de santé. Aujourd'hui, nous avons initié des consultations gratuites que nous avons démarrées depuis le 8 mars. Donc la journée du 8 mars, on a fait des consultations gratuites, on a fait des sensibilisations, de l'animation avec l'équipe médicale des professionnels de santé de la région de Saint-Louis. Nous avons vraiment aujourd'hui l'honneur de recevoir aujourd'hui ce 27 mars et le 28, Inch'Allah, et le 29 mars, les populations de Saint-Louis, de Ndiabène Gandiol, pour des consultations, pour des dépistages, pour des consultations dentaires, pour en tout cas tout ce qui concerne le diagnostic par rapport à la santé des populations. Et là, c'est la prévention. Nous sommes là pour la quatrième édition de journée de consultation gratuite pour la population donc de Gandiol. Donc dans cette journée, nous allons faire des dépistages pour le diabète et nous allons faire aussi des consultations de médecine générale et des consultations aussi. Tous ces patients, s'ils ont besoin de consultations en spécialité, ils vont le faire. Et aussi, surtout le volet très important qui nous préoccupe, c'est le volet de la prévention, surtout c'est les sages-femmes donc dans le dépistage des cancers du col, de l'utérus, parce que donc c'est une action vraiment très bénigne, surtout au cours de ce mois de Chaban dont nous sommes, qui est un mois qui est très béni pour vraiment faire des actions d'envergure.